De quoi s'agit-il? Fantôme, Moidoy, Capitaine Quantum, Klatsky. Moi. Membre de la Résistance, j'envoie la liste de cibles de l'Empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'Empereur nous trouve nous aussi. J'ai un bon pressentiment. À quoi est-ce que tu penses? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer, que Ratchet et moi sommes perdus. Oh, je vois. Ben... Et ton communicateur sera bientôt réparé, c'est déjà... un début. Oh, oui. Voici l'arène bistronomique de Zurki. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Promis. Voici l'arène bistronomique de Zurki. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Promis.
viens juste d'acheter 10 kilos de bibelots aux pirates. Des trucs super rares. Oh, mais attends, ce seraient pas les objets qui t'ont volé la semaine dernière? Non, je n'aurais pas dépensé toutes mes économies pour racheter mes propres affaires. La recette de citronnade de morque avance tout doucement. J'ai l'impression que ces plateformes flottantes déraillent. Faut-il toujours que mes chansons tournent et tout qu'ils aiment de la boisson, alors que je nourris des ambitions. Il existe des pirates qui rêvent de choses autrement. Hé, hey, t'as appris ce qui s'est passé la semaine dernière? Le grand Morque a tenté d'aller se battre dans l'arène. Non, encore? Et il a bien failli réussir en plus. C'est rasé tout le corps de la tête aux pieds pour que personne ne le reconnaisse. Thank you.
secouer un peu tes ennemis. Les cantons, serait-ce l'orage? La pluie? Non, c'est le paratonnerre. Achevez-les pour projeter l'éclair en direction de leurs affreux coéquipiers. Améliorez le paratonnerre pour charger une tempête de souffrance encore plus dévastatrice. Je vois que t'as assez pour t'offrir cette beauté. Oh! On n'a jamais trop de puissance.
viens souvent dans cet endroit ? Ouais, très souvent. C'est une sorte de refuge pour les membres de la Résistance. J'espère simplement que l'Empereur n'est pas au courant. Bienvenue chez Urki, l'arène bistronomique nouvellement interdimensionnelle. Je vous débarrasse de votre manteau et de toutes vos armes. Je crois que j'aurai toujours du mal à m'y faire. Merci de votre visite chez Urki où on se massacre avec le sourire. Qui est derrière le bar. Il saura où est le pirate qui détient l'amplificateur. Et si nous parlions à Urki, je souhaiterais réparer mon communicateur au plus vite. Namasté, que la paix t'accompagne, Rivette. Dis, Urki, t'aurais pas vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Tiens, si ce n'est pas ma petite chérie. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici? C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Combien de fois dois-je te répéter que mon cœur est déjà pris? Franchement... Pete, le rouillé? Le rouillé? Maman bleue, ton ami à la langue bien pendue, mon nom est Pierre le Fer, pirate extraordinaire. Je te propose un duel. Chez Urki, la violence est interdite. Battez-vous dehors. Je préfère l'amour à la guerre. Mais pour toi, je suis toujours disposé à faire une exception. Prêt à lui roboter le derrière? Ce genre de questions me laisse perplexe. Mais pourquoi pas? Où sommes-nous censés nous inscrire? Il y a une console sur ce grand mur vitré, là-bas. T'inquiète, je vais te montrer. On doit s'inscrire pour affronter ces pirates. T'inquiète, je l'aurai, cet amplificateur. Et donc, sur cette liste de cibles, ton nom se trouve... Tout en haut, évidemment. J'espère vraiment que le docteur Nefarious ne nous jouera pas de mauvais tours. Mais le connaissant, je ne suis guère optimiste.